Ah, ce qu'il faut pas faire. Donc, une personne m'a demandé, oh, tu pourrais rejouer à la distance et voir comment ça se passe avec les rajouts de Jill et tout ça. Apparemment, le jeu est devenu un gros problème avec Jill car elle a un lance-roquette et tout ça, donc tout le monde a augmenté Jill, tout le monde a augmenté Becca et tout. Donc, les survivants sont encore plus OP qu'avant. En gros, c'est ce qu'on m'a dit. Donc on va voir ça, ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas joué, donc on va voir si je suis un peu rouillé. Nous allons encore faire les masterminds, on va utiliser... je pense qu'on va utiliser Annette, vu que c'est ma préférée. On va voir ça. On va voir combien de temps ça prend aussi pour tomber sur un match. Alors petite histoire, pourquoi j'ai arrêté de jouer, moi c'est parce que je tombais tout le temps sur des joueurs en fait bas niveau, vu qu'il n'y a pas de rang en général. Je tombais souvent sur des gens bah, niveau 1, niveau 2 et tout ça. Et du coup, c'était bah, c'était pas fun en fait, parce que tu roulais sur tout le monde. Ouh, ça va vite cette fois, ça va vite. On va prendre Annette, centre-ville. Alors, je sais qu'ils ont complètement nerfé le coup des mines. Parce que oui, il fallait vraiment nerfer un truc. Et du coup, on a nerfé les masterminds, parce que pourquoi pas. Donc, on va utiliser ça. Et on devrait être bon. Donc, je sais même plus les touches, rien, ça va être fun. Mais en gros, c'est que je tombais souvent sur des gens très bas niveau. Enfin, il y en avait un ou deux qui étaient bas niveau à chaque fois dans chaque équipe. Donc au final, on tuait tout le monde. C'était pas vraiment intéressant, donc j'ai complètement arrêté de jouer. Donc là, on a un Jill 74, 61. Pff, les... C'est n'importe quoi, les niveaux. Complètement n'importe quoi. C'est con parce qu'ils sont pas augmentés les liqueurs. Ils sont pas du tout augmentés. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord. On a vraiment des cartes de merde, hein, je veux pas dire. Mais... On a vraiment des cartes de merde. Activating that will take both your time and energy. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait extrêmement mal, elle, apparemment. Te relève pas surtout le zombie, te relève pas. Oh mon dieu. D'accord, laisse tomber. Ah, quoique, on peut ouvrir la porte, on peut aller les faire chier. Ah, ça va. Ils peuvent partir. Oh, mais elle casse les portes, les caméras extrêmement vite, c'est abusé quoi. En 2 balles, elle me détruit les caméras, c'est n'importe quoi la Jill. Et encore, elle a pas sorti le lance-roquette. Ils sont à 7 minutes quoi. Mon dieu. On n'a pas de berserker. Non, on n'a pas de régène. C'est un peu relou. Waouh, je l'ai loupé. Trop bien. Trop bien. Brutish. Sufficient for this task, I believe. On va aller côté droit. Ah merde, elle m'a vu. Peut-être pas. Elle m'a pas vu. Ah, elle sait où je vais. Elle sait où je vais. On va faire ça, on va mettre...
zombie là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça ils l'ont déjà, j'ai fait de la merde. Oh là là, le régen, le régen, le régen. Each step they take brings you closer to them. Your deaths will be further evidence. Voilà, très bien. This research and its byproducts are too dangerous for this world. Ouais, je pense que ça sert un peu à rien. Il faudrait le régène là. On essaye de les bloquer. On a enfin William. C'est bon, on en a une. On va en tuer une. Très bien. Bon, elle est par terre. Elle est par terre. Du coup, ce qu'on va faire, on va camper l'extract, je crois. Il y a les autres qui sont là, qui vont arriver. On va voir. Ah, merde. Ah, elle veut me faire le coup de la porte. On va prendre Jill, on va attraper Jill. Ou pas, parce que la lightbox elle est pourrie. C'est qui a la clé? Oh, la clé ils l'ont laissé tomber! La clé ils l'ont laissé tomber, lol! Je crois, non? Ou ils l'ont fait? Non, ils ont fait les trois trucs. Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ouais, ça sert à rien. Ouais, c'est mort. Eh ben, ce jeu est fun. Ce jeu est très fun. Ce jeu est très fun. Je crois que ça m'a suffi, honnêtement. J'ai plus envie de continuer à y jouer. Honnêtement. On n'a rien d'intéressant. Allez, donne-moi un multi maintenant. Donne-moi un multi. Ah mon dieu. Un multi est fait. Très bien. Oh, elle a le lance-roquette, évidemment, elle a le lance-roquette. Évidemment. Non, tu soignes pas, toi. Ah, putain, elle a le truc de la grenade. Je dois aller où, là? Each step they take brings you closer to death. Oh mon dieu, allez, on se bouge d'avoir un multi-effet, s'il vous plaît. Ou pas. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient? Elle a le roquette infini, l'autre, ou quoi? Elle a le roquette infini. Waouh, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Oh, mais c'est abusé. Mais regarde-moi cette merde, quoi. Mais regarde-moi cette merde, c'est Lot qui m'a tout défoncé. Mais en fait, si je fais apparaître des choses là, ce qui va se passer, c'est que l'autre, elle peut toujours me roqueter en fait en avance. Elle peut toujours faire ça, quoi, c'est débile. C'est vraiment débile. You are nearly there. Give in. En fait, vu qu'ils peuvent détruire les trucs de très loin,
Là, je vais un peu les surmener avec les super liqueurs, en fait. Ah, lui, il faut le laisser. Ah non, on va laisser garder ça là. En fait, on est en train de les surmener, on fout des trucs un peu partout et ils restent pas en groupe, donc du coup... Mais on les surmène avec du liqueur, c'est tout. C'est le seul truc. Et ils sont empoisonnés. Eh ouais, c'est cool. Voilà, une à terre. Voilà, très bien, comme ça on récupère. Il y a les zombies qui protègent le biocœur en haut, donc ça va. On a encore plein de zombies un peu sur la map et ils sont tous avec du régen et tout. Donc ça va. On devrait y arriver. On devrait y arriver. Voilà, on va faire ça. Très bien. Oh, joli grab, joli grab. Joli grab. On a eu qui là? On n'a pas eu la, celle qui soigne? Non, on n'a pas eu celle qui soigne. On a eu January. Très bien. Très très bien. Grab. Ça va, c'est bon, on a gagné. Il y en a une qui a quitté, deux qui a quitté. Ah non, ils sont morts, pardon. Ils ont quitté. Pas mal, pas mal, pas mal. Bah au final, ça s'est bien passé. Au final, ça s'est bien passé. On a eu que... Ah, alors... Honnêtement, alors je vais pas faire plus long que ça. Honnêtement, le jeu, je vais juste maintenant discuter sur le jeu et ce que j'en pense. Alors, je refais mon petit discours de fin. Je vais donner ma pensée par rapport à Résistance, ce que j'en pense. On va pas faire plus de matchs. J'ai joué il y a 2 heures, mais j'étais pas vraiment très satisfait de ce que j'avais dit après le match, donc je refais ça. Alors maintenant, les améliorations du jeu. Donc le matchmaking est quand même beaucoup plus rapide. On a vu, on a à peine attendu 20 secondes, 30 secondes. J'ai regardé SteamDB, il y a au moins 700 personnes sur le jeu, ce qui est très 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 bas. Hein. C'est pas normal, hein, un jeu qui vient de sortir il y a quelques mois. Ou un mois, deux mois, avec 700 personnes. Donc encore une fois, on en revient toujours au même. On a toujours le problème du fait que ça soit caché derrière Resident Evil 3, que ça soit qu'on le trouve même pas en fait sur le magasin de Steam. Enfin bref, on a déjà parlé. Et après, on en revient toujours au même, c'est-à-dire un problème niveau... Alors, les gens quittent, hein, on a vu... Alors, sur le coup, quand j'ai joué, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai qu'il y a 2 personnes qui ont quitté avant la fin du match. Encore une fois, on a eu seulement un A au lieu d'un S, alors que pourtant, on était niveau quoi, 35, et on a combattu des gens niveau 80, niveau 50, donc on devrait déjà avoir un bonus de points quand on combat des gens extrêmement hauts. Et encore une fois, on en revient au problème de niveau, il n'y a pas de niveau général, donc on tombe sur des équipes complètement déséquilibrées, on a des niveaux 80 avec des niveaux 7 ou 8, et ça c'est un gros problème. Et là on en vient en fait au problème de balance, c'est-à-dire que ça devient extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué de montrer les problèmes de balance. J'ai l'impression en fait de dire l'inverse que ce que je montre en ce moment. À chaque fois que je joue, si je joue Annette, je gagne à 99% du temps, faut l'avouer. Là, on l'a fait, ça va faire 2 semaines, 3 semaines que j'ai pas joué, on y allait, on est tombé sur les niveaux 80, j'ai quand même gagné à la fin, j'ai pas eu trop de mal sur la zone 3. Mais encore une fois, je sais qu'il y a un problème de balance, et le jeu balance plutôt pour les survivants ont énormément d'attaques extrêmement, extrêmement surpuissantes, et ça c'est un problème. Si on va par exemple maintenant voir Jill, donc comme j'avais dit, elle a le lance-roquette tous les 300 secondes, elle peut avoir un lance-roquette à 4 coups, et après il y a toujours Becca, et elle, son ulti, c'est toutes les 150 secondes, et elle peut avoir munitions infinies, donc vous couplez ça avec le fait qu'elle trouve un lance-grenade acide ou un lance-roquette, elle peut avoir ça infini, et c'est ce qu'elle a fait à un moment, elle nous a détruit une caméra comme ça, et elle nous a détruit énormément de zombies comme ça. Donc le jeu...
est très compliqué à montrer par rapport à la balance, parce qu'il faudrait avoir 5 mêmes personnes du même niveau, de la même expérience, de la même façon de jouer, du même skill en fait, et il faudrait que chacun tourne pour le mastermind et qu'on teste tous les masterminds et que les gens testent tous les survivants. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait parler de vraie balance. Mais à chaque fois que j'en parle, je montre l'inverse, c'est-à-dire que normalement je vais toujours vous dire que les survivants sont plus amples à gagner, et au final ce que je fais c'est qu'en mastermind je gagne la plupart du temps, en tout cas si j'utilise Annette. Donc c'est ça le problème de balance. Donc tant qu'il n'y aura pas un niveau général, ça sera jamais réglé, le jeu restera comme il est. Et le problème aussi c'est le fait d'avoir des serveurs ou pas. Donc on n'a toujours pas de serveur et on n'en aura sûrement jamais. Le problème c'est qu'on ne sait pas si les gens peut-être laguaient dans ma partie ou pas. Alors de ce qu'on a vu, je pense que personne laguait, tout le monde jouait très bien, il n'y avait pas de problème. C'est pas comme si je téléchargeais des choses derrière. Mais voilà, il y a toujours ce problème là, c'est toujours des on dit, c'est toujours on pense que ça marche comme ça, on pense que ça marche bien, que l'équipe marche bien. Et après c'était pas une équipe qui communiquaient, c'était pas des gens qui étaient sûrement sur Discord ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est très très difficile de parler de balance dans ce jeu, encore une fois. Mais ça devient du tout ou rien. Pour moi, j'ai l'impression que ça devient vraiment du tout ou rien. C'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser les choses les plus complètement pétées, en fait, du côté Mastermind. Mais dans un sens, les survivants ont des choses complètement pétées aussi, entre les lance-roquettes, les munitions infinies et les trucs comme ça. C'est complètement décuplé et c'est un peu le problème du jeu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de balance entre la puissance des survivants et la puissance des masterminds. C'est-à-dire que c'est du tout ou rien. Il faut jouer d'une seule façon, si vous jouez avec une autre façon, ça ne marchera pas. Et point barre. Et c'est que comme ça, et c'est pas autrement. Il n'y a pas autre chose. Vous ne pouvez pas jouer avec autre chose. J'ai vu même des streamers jouer, par exemple, à se forcer à jouer avec les chiens. Avec la carte des chiens et voir avec plusieurs ennemis et tout ça, enfin voir vraiment avoir des cartes qui coûtent pas cher mais en mettre plein, mais ça ne marche jamais parce que les ennemis, en fait les chiens, l'IA des chiens est complètement stupide et tout ça. Donc voilà, c'est que des choses comme ça, il n'y a qu'une seule façon de jouer et pas d'autre. Vous pouvez pas sortir un build plus ou moins spécial en fait, que ça soit du côté survivant ou du côté mastermind, vous êtes toujours obligé de jouer de la même façon. Et c'est cette façon qui marchera et rien d'autre. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça en fait. Et pour moi, c'est comme ça que je le vois le jeu, donc c'est un peu embêtant. Et encore une fois, j'en reviens au niveau. Que vous fassiez 50 matchs ou un match, ça revient toujours à la même chose parce que la plupart du temps, vous allez toujours avoir un ou deux niveaux très bas avec des niveaux très élevés ou vice-versa. Et ça, c'est le problème aussi, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez complètement rouler sur tout le monde parce qu'à chaque fois, les équipes ne sont pas équilibrées. Pas équilibré, mais alors du tout, et ça c'est un gros problème du jeu. Donc voilà, je pense que, comme j'avais dit, le prochain match, enfin la prochaine fois que j'en ferai, ce sera quand il y aura Nicolas, et je vais peut-être en faire en stream dans la semaine qui arrive, juste un peu comme ça, vu que les matchmaking maintenant sont assez rapides pour trouver des pour trouver en mastermind, peut-être que ça vaut le coup de le restreamer. Donc restez pour ça si vous êtes intéressé. Mais voilà, ça sera ma dernière note sur le jeu. Le jeu est plus ou moins mort, hein. Si vous prenez un jeu qui est mort un peu pareil, qui était asymétrique, c'était Friday the 13th, donc vendredi 13, le jeu. Il a déjà quelques années, je crois, et sur Steam, donc vous allez sur SteamDB, vous regardez vendredi 13, vous allez voir qu'il y a au moins 700 personnes. Il y a toujours un peu moins de 1000 personnes, en fait, qui jouent au jeu, alors que ce jeu-là a déjà quelques années, et résistance à quelques mois, et il y a autant de joueurs que sur vendredi 13, donc c'est un problème, voilà, c'est vraiment un jeu mourant, voire même mort, que personne va vraiment jouer. Mais voilà, ça aurait pu vraiment encore être un très bon jeu, mais ils se sont pas donné les moyens, Capcom, encore une fois. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à faire attention si jamais je stream, je le mettrai en avance sur YouTube, et vous pourrez voir quand je stream Résistance. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, ciao.